Bonjour les élèves, comment allez-vous? Travaillez bien, work well at home, only at home. And after we will revise all the lesson. Now we continue lesson 4. Exercise 10. Exercice 10, page 58. Remplacez les noms avec les pronoms toniques. Je vais chez mon ami. You remove mon ami and put chez lui. Tu joues avec Richa et Kanika. You remove Richa and Kanika and put L with S. C'est pour mes enfants. You remove mes enfants and put E, EUX. Il est plus intelligent que ton frère. Ton frère, to him, so you remove ton frère and put lui. Elle est assise à côté de ses parents. Elle est assise à côté de, EUX. Dans un mois, il sera loin de son père. Dans un mois, il sera loin de lui. You remove son père and put lui. Je pense souvent à mon mari. À mon mari, you cut and put lui. Il tient beaucoup à sa mère. You remove à sa mère and put elle. Ce sont mes amis qui mangent la glace. So, ce sont mes amis. Mes amis, you remove mes amis and put EUX. E. Je vais avec mes enfants. Mes enfants, you remove and put E, EUX. Exercice 11, page 58. We continue. Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels directs. Direct, there is no to him, to her. Direct, le, la, les. Pauline a acheté les pommes. Pauline les a achetées. Acheter, E accent aigu, ES. Monsieur Sharma connaît bien les livres français. Monsieur Sharma les connaît bien. Il fera son devoir, il le fera. La femme lit cette revue, la femme la lit. Cette fille veut acheter cette poupée. Cette fille veut l'acheter. Les enfants ont vu ce film. Les enfants l'ont vu. Remove ce film and put l'ont vu. L'ont vu. Est-ce que tu empruntes les bandes dessinées? Est-ce que tu les empruntes? Les bandes dessinées, you remove and put les, L-I-S. Vous donnerez ce livre, vous le donnerez. Il n'utilise pas l'imprimante, il ne l'utilise pas. L'imprimante, remove and put l'apostrophe. Madame Sanchez a vendu sa voiture. Madame Sanchez l'a vendue. L'apostrophe est vendu, UI. Répondez aux questions en utilisant le pronom COD. Est-ce que ta sœur a regardé la belle peinture? Oui, elle l'a regardé. Elle l'a, elle apostrophe, et regardé, E accent aigu, E. Le facteur va distribuer les lettres. Il ne va pas les distribuer. As-tu trouvé tes cahiers et tes livres? Oui, je les ai trouvés. Je les ai trouvés, L-I-S et I, trouvé, E accent aigu, S. Avez-vous écrit les cartes postales? Oui, je les ai écrites. Écrites, yes. Est-ce que le professeur a donné les exercices? Non, il ne les a pas donnés. Donné, E accent aigu, S. Ali a-t-il lu cette histoire? Oui, il l'a lu. L' apostrophe et lu, L-U-I. Ont-elles attendu leur mère?
Non, elle ne l'a pas attendu. Attendu, Yui. Tu nous accompagnes? Oui, je vous accompagne. Lisez-vous souvent ce magazine? Non, je ne le lisais jamais. N'aimes-tu pas regarder la télé? Si, j'aime la regarder. Remplacez les mots avec des pronoms personnels indirects. J'ai écrit à mon oncle et ma tante. Je leur ai écrit. À mon oncle et ma tante, tu remove and put leur. Nous avons parlé à nos professeurs. Nous leur avons parlé. À nos professeurs, you remove and put leur. Le garçon offre un bouquet à son ami. You remove à son ami and you write lui, to him. Madame Vincent donne les romans aux étudiants. Madame Vincent leur donne. Elle aura téléphoné à ses parents. Elle leur aura téléphoné. You remove à ses parents and put leur. Cet homme a distribué les sucreries à la voisine. Remove à la voisine and put lui. Tu prêtes ton vélo à Jeanne et à Marie. Remove à Jeanne et à Marie and put leur. So you write, tu leur prêtes ton vélo. Il envoie une carte postale à leur cousin. À leur cousin, you remove and put lui. Elle montrera sa photo à son copain. À son copain, you remove and put lui. Les enfants ne montrent pas aux parents. Les enfants ne leur montrent pas. Répondez aux questions en utilisant CO1. CO1, complément d'objet indirect. Donne-lui exercice 14. Exercice 14, page 60. Page 60. Donne-t-elle le livre à son frère? Oui, elle lui donne le livre. Parlez-vous à votre professeur? Non, je lui parle. Offres-tu un bouquet de fleurs à ton ami? Non, je ne lui offre pas un bouquet de fleurs. Est-ce qu'elle a écrit à ses grands-parents? Oui, elle leur a écrit. Montre-t-il le dessin à son instituteur? Oui, il lui montre le dessin. Le livre plaît-il à Pauline? Non, le livre ne lui plaît pas. Est-ce que la mère offre les cadeaux aux enfants? Oui, la mère leur offre les cadeaux. Fais-tu confiance aux élèves? Oui, je leur fais confiance. Disent-ils bonjour au professeur? Non, ils ne leur disent pas bonjour. Prêteras-tu tes disques à Paul et à John? Oui, je leur prêterai mes disques. Complétez le dialogue avec les pronoms COD, CO1 qui convient. Exercice 15, page 60. Vous pouvez me donner vos nouveaux stylos? Oui, madame, je vous les donne tout de suite. Le magasin vous envoie le catalogue? Non, il ne me l'envoie pas systématiquement. La vendeuse vous a montré nos derniers modèles? Oui, elle me les a montrés. Montrer, accent aigu, S. Gilles, tu peux me prendre cette robe là-bas?
Oui, je te la prends. Votre collègue vous a expliqué son expérience. Non, il ne me l'a pas expliqué. Expliqué, E accent aigu, E. Mettez à l'impératif en remplaçant les noms avec des pronoms. Tu me donnes ces crayons. Donne mon M'IN. Or, the second answer is donne-les-moi. Les L-I-S. Ne donnez pas le chocolat à Paul et à Kunal. Ne le leur donnez pas. Le chocolat, you remove and put le. À Paul et à Kunal, you remove and put leur. Ne le leur donnez pas. Achetez les bonbons pour Pierre. Achetez-les pour moi. You can write pour lui. Pierre means boy, you write lui. Ne mettez pas ce pull, ne le mettez pas. Tu me dis la vérité, dis-la moi. Nous disons bonjour à notre professeur. Disons lui bonjour. Vous nous téléphonez plus souvent. Téléphonez-nous plus souvent. Tu m'expliques cette règle. Explique-la moi. Nous ne discutons pas avec nos frères. Ne disputons pas avec eux. UX. Avec nos frères, you remove nos frères and put UX because avec is a preposition. So we follow the rule of pronoun tonique. Tu n'offres pas les fleurs à la fille. Ne les lui offre pas. Les fleurs, you cut and put les L-I-S. À la fille, you cut and put lui. Exercice 17. Page 61. 61. Les étudiants bavardent derrière le professeur. Les étudiants bavardent derrière lui. Vous prenez les stylos, vous les prenez. Il parle tous les jours à son ami. Il lui parle tous les jours. Il faut que tu téléphones à ta tante. À ta tante, tu remove and put lui. J'enverrai une lettre à Nathalie. You remove à Nathalie and put lui. Une lettre féminine, you put la, L-E. Mon cousin a acheté une bague pour sa petite amie. Mon cousin l'a acheté, L-A, acheté, E, accent aigu, E, pour elle. Ma mère a envoyé cette lettre à ma grand-mère. Ma mère l'a, lui, a envoyé, E, accent aigu, E. Le professeur montre la carte aux enfants. Le professeur la leur montre. Je vais acheter ces magazines à mon frère. Je vais les lui acheter. Ces magazines replace-les à mon frère, replace-lui. Ali et Kabir mangent tous les exercices, tout le sucrerie avant moi et ma mère. Ali et Kabir les mangent avant nous. Avant is a preposition, so you write nous. Because moi et ma mère, me and my mother, so us. Us you replace by nous. C'est Anirudh qui joue beaucoup avec les copains. C'est lui qui joue beaucoup avec eux. UX. Ne faites pas peur à ma fille. Ne lui faites pas peur. Les filles pourraient sortir avec leur mère.
Les filles pourraient sortir avec elle. Cet enfant est plus intelligent que toi et ton ami. Cet enfant est plus intelligent que vous. Ne lis pas cette revue, lis ce conte. Ne la lis pas, lis-le. Remove ce conte and put le. Répondez aux questions en utilisant le pronom personnel. Répondez aux questions means if the question is with vous, you write je. If the question is tu, you write je again. And the conjugué verb. Peux-tu faire ce travail, ce devoir pour mon fils? Oui, je peux le faire pour lui. Voulez-vous manger les chocolats avec vos amis? Non, je ne veux pas les manger avec eux. Les élèves parlent-ils très poliment à leur professeur? Oui, ils leur parlent très poliment. Demandez-vous la carte de lecteur aux étudiants? Non, je ne la leur demande pas. Avez-vous donné les fleurs à ces filles? Oui, je les leur ai données. Donner, E accent aigu, ES. Téléphoneras-tu à la directrice? Non, je ne lui téléphonerai pas. Penses-tu souvent à ton ami? Oui, j'y pense souvent. Donnes-tu des bonbons à tes enfants? Non, je ne leur en donnais pas. A-t-il emprunté une cravate à Paul? Oui, il la lui a empruntée. Empruntée, accent aigu, E. N'avez-vous pas donné la lettre au facteur? Si, je la lui ai donnée. Donnée, accent aigu, E. Offrira-t-il les journaux à ses amis? Remove à ses amis and put leur. Oui, il les leur offrira. Est-ce qu'il montre sa nouvelle voiture à son ami? Non, il ne la lui montre pas. Tu demanderas son adresse à ses parents? Oui, je la leur demanderai. Invitez-vous vos amis chez vous? Non, je ne les invite pas chez moi. Voulez-vous prêter les bandes dessinées à votre voisin? Oui, je veux les lui prêter. Exercise 19. Exercice 19. Page 62. Ma fille ira en France l'année prochaine. Où est-ce que ta fille ira l'année prochaine? Où est-ce que ta famille ira l'année prochaine? Je les ai empruntés de la bibliothèque. D'où l'apostrophe OU, accent grave. As-tu emprunté les livres? Oui, il l'a déjà lu. Est-ce qu'il a déjà lu ce livre? La table est en bois. En quoi est la table? Si mon oncle préfère travailler à mi-temps, ton oncle ne préfère-t-il pas
travailler à mi-temps. Ton oncle ne préfère-t-il pas travailler à mi-temps? Non, elle n'a pas joué avec moi. Est-ce qu'elle a joué avec toi? La mère fait un gâteau pour ses enfants. Pour qui est-ce que la mère fait un gâteau? Parce qu'il est malade. Pourquoi va-t-il chez le médecin? Oui, je les ai achetés pour eux. Est-ce que tu as acheté les montres pour tes frères? Est-ce que tu as acheté les montres pour tes frères? Désolé, nous l'avons oublié chez nous. Avez-vous oublié votre carte de lecteur? Exercice 20. Exercice 20. Page 63. Mettez les verbes entre parenthèses au temps convenable. Now the verbs convenient into the tenses appropriate. Quand je suis allé chez lui, il écrivait une lettre. Écrivait imparfait. V-A-I-T. Tu mens toujours à tes parents. Tu mens present tense. M-E-N-S. Elle est venue hier soir avec ses amis. Elle est venue, U-E. Quand il aura terminé son école primaire, il entrera dans un collège. Aura terminé futur. Antérieur. Because entrera is future simple. Quand vous étiez jeune, vous habitiez au Canada. Habitiez imparfait. Quand je vous aurai appelé, quand on obtiendra les résultats, on obtiendra future simple. Regarde ta mère, elle est en train de faire la tâche ménagère. Aussitôt qu'ils sont rentrés chez eux, ils ont mangé le dîner. Lorsqu'ils auront fini leur travail, ils sortiront du bureau. Tu es déjà en retard, viens immédiatement. Viens immédiatement, impératif. Mettez les phrases dans le bon ordre. Now, jumble sentence, we have to reorder. 1. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une image magnifique. I repeat. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une image magnifique. 2. Personne n'est venu me voir ce soir. Personne n'est venu me voir ce soir. 3. Elle nous les a donnés. Elle nous les a donnés. 4. Il réfléchira beaucoup sur les aventures de la jungle. Il réfléchira beaucoup sur les aventures de la jungle. 5. Ce sont mes amis sur lesquels je compte. Ce sont mes amis sur lesquels je compte. 6. Elle est partie au moment où je dormais. Elle est partie au moment où je dormais. 7. Aujourd'hui, je vais m'inscrire à la bibliothèque.
Aujourd'hui, je vais m'inscrire à la bibliothèque. 8. Vous les avez achetés pour nous. Vous les avez achetés pour nous. 64, page 64, we continue. 9. On verra un beau film dont l'acteur est très connu. On verra un beau film dont l'acteur est très connu. 10. C'est mon amie à laquelle je prête quelquefois mes livres. C'est mon amie à laquelle je prête quelquefois mes livres. Now exercise 22, page number 64. Correct the mistake. Je vais prendre, you remove prendre and write prendre, D-R-E. L'ascenseur pour aller me chez. You remove me and write chez moi. M-O-I. Tu connais le professeur avec laquelle je travaille. Tu connais EIS. Le professeur avec lequel je travaille. 3. J'étais ITAS, épuisé parce que j'avais beaucoup travaillé. Travailler, E accent aigu, E. Il a déménagé, you remove avait and put A, simple A. We have to do passé composé, past tense. Dès qu'il avait été à la retraite, you remove A and put avait. A-V-A-I-T. Lorsqu'elle aura eu le brevet, elle fera son bac. Elle aura fait, you remove aura fait and put fera. Elle n'a dit rien aux ses parents, you remove O et X and put à ses parents. Avec accent. Bye children, do well. Next session now. Merci.